Grosse tension dans l'épisode de Marié au premier regard 2023 du 5 juin, disponible sur 6 Play Max. L'un des couples s'est disputé, car le mari a jugé que son épouse avait dépassé une limite. Et cela est allé loin. Estelle, 31 ans, et Maximilien, 31 ans, connaissent une aventure pas comme les autres, dans Marié au premier regard 2023. Dès le début de leur relation, Jules, le papa de la candidate, a mis la pression sur leur relation. Le coach sportif a donc décidé de l'affronter comme on peut le voir dans l'épisode du 5 juin 2023 sur 6 Play Max. Et une crise est venue perturber leur équilibre. Vous habitez à Perpignan, Estelle Alès. Elle a une fille. Pour moi, je pense qu'il faut déjà prendre une décision. Soit elle va à Perpignan, soit elle reste à Alès, confiait Bulle à Maximilien, le soir du mariage. De quoi le déstabiliser. Lors de leur retrouvaille, le jeune homme a donc vite souhaité mettre les choses au clair avec son beau-père, « Je ne veux pas recevoir de pression sur le fait que si estime-moi qui doit venir à Alès. Si estime mon choix et je le ferai quand je me sentirai de le faire. » Son beau-père lui a fait savoir qu'il n'y avait pas de souci. Mais il a vite ajouté, il faut prendre une décision rapide. Maximilien lui a alors expliqué qu'il ne connaissait pas encore assez Estelle pour cela. Il a également rappelé qu'il était père de famille, j'ai une petite fille. Si aujourd'hui je prends la décision de partir, je la perds parce que je suis en garde alternée. Finalement, il a fait entendre raison à Bulle. Incroyable. Grosse crise pour le couple si est-il donc plus léger que Maximilien a retrouvé Estelle. Tous deux se réjouissaient de ce nouveau départ. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Après quelques jours de séparation, le couple s'est retrouvé chez Maximilien. Elle lui a offert des cadeaux coquins, comme des pâtes en forme de sexe masculin. Très vite, le coach sportif lui a fait visiter la salle de sport dans laquelle il travaille. Jalouse, elle a voulu savoir si beaucoup de femmes venaient. Estelle n'a pas confiance en moi. Ça commence à m'agacer depuis quelque temps. Et elle ne le voit pas, a regretté le candidat. Et quand Estelle lui a demandé de soulever 45 kilos, il l'a mal pris car elle lui a fait remarquer qu'il travaillait dans une salle de sport, mais qu'il n'était pas capable. Je veux bien qu'on me taquine, mais il y a des limites à ne pas dépasser, a-t-il lancé. Il s'est donc agacé en expliquant qu'un coach était là pour aider et non pour faire de la performance. Gavé, Maximilien est parti en s'énervant. Je me sens agressé, je ne me sens pas respecté, a-t-il ajouté. La belle brune s'est donc également fermée et a dit qu'elle voulait rentrer chez elle. Pour moi si est-il clair, si est-il la fin de notre expérience, si est-il la fin de notre mariage. Si elle prend cette décision, pour moi il n'y aura pas de point retour, a confié Maximilien.